cette formation du Stade Rémois aujourd'hui va peut-être créer des toutes petites polémiques à Reims. Je pense que Lamartine est un bon choix. Non pas que Bérard soit un mauvais joueur, il s'en faut, et je crois que nous tenons en lui un espoir du football français. Mais Bérard n'est pas un joueur mordant. Et surtout, il est gêné au poste d'ailier. Il sera un grand intérieur. Il sera un grand intérieur. Et tandis que Lamartine est un ailier type dont la vitesse peut être très précieuse. Pour Reims contre le Real de Madrid. Eh bien, les changements que je vous annonçais se produisent. Nous avons Jacquet qui le représente. C'est Jacquet qui le remplace. Jacquet a fait aussi de nombreux matchs. Et le souvenir d'un match absent contre les Hibernians, champions d'Écosse, l'année où précisément le Stade de Reims avait joué cette première finale de la Coupe de Reims. La finale contre une autre équipe, puisque le Real de Madrid a un record sensationnel de 3 victoires consécutives dans cette Coupe d'Europe. Les Brésiliens sont applaudis à leur entrée sur le terrain et ils le méritent car ils nous ont fourni un jeu. C'est Gilmar qui est dans les buts. Gilmar, un des 11 héros brésiliens de la Coupe du Monde. Gilmar qui a été battu pour avait joué contre l'Angleterre il y a une dizaine de jours à Rio de Janeiro, qui a eu l'occasion d'employer son talent car la ligne d'avant de Reims aujourd'hui était très en vert. Et remplace Colonna et Skatka. Entre le jeu a pris la place, sont engagés les trois joueurs de remplaçants. Ce sont des sociétaires à part entière, car il n'y a pas une équipe qui pourrait se permettre de faire la saison avec 11 titulaires. Les Brésiliens ont procédé à des changements, mais chez eux c'est habituel. Une équipe de rugby américain qui viennent remplacer leurs camarades. Espérons qu'il n'y aura pas. Ah, on a l'air de reprendre sur le même rythme. En retrait à Rodzik. Rodzik qui est un de nos très bons arrières. Je pense qu'il fera une grande carrière. Giraumont, où ses frères jouent encore. Giraumont qui joue d'ailleurs la finale du championnat de France amateur. Rodzik est en grand progrès, c'est un joueur pour l'équipe de France de très bientôt. Et le petit jeu des Brésiliens, toujours agréable, mais ils se font prendre un peu de vitesse par les Rémois. Les Rémois qui ont beaucoup d'ardeur, qui jouent d'une façon très décidée, dans un bon rythme de championnat. Et je pense que ce galop d'entraînement va leur servir à Stuttgart. Ce sont les Brésilien qui essaie d'attaquer, petite passe, pas trop d'infos, une talonnade qui est jolie, ils sentent mon vieux, ils sentent, mais pas assez fort, et la balle revient chez les Rémois qui se donnent de l'air. Nous allons voir Bérard à l'aile droite. Bérard n'a pas la vitesse de course de Lamartine, mais il est plus scientifique. Ah, Piantoni a oublié de partir. Piantoni est jusqu'à présent honorable, honorable sans plus. Nous n'avons pas retrouvé encore le grand Piantoni de France URSS et nous en aurons besoin de le retrouver si réellement Reims veut avoir une chance sérieuse à Stuttgart. Et c'est Fontaine, très entreprenant, un joueur de joie. Ah, malheureusement, il a poussé trop loin son action et j'ai même une petite faute. L'arbitre indique la faute, mais la faute était contre, évidemment, le Stade Rémois. Et c'est un coup franc qui est tiré. Tout le monde a la tête de Fontaine à l'est par les défenseurs. Un méchant qui joue un jeu très correct, sec,
Mais décidé, Gilmar qui fait impression en prenant ce ballon d'une seule main, la pose tranquillement. Dégage, beau dégagement qui fait pousser des hâts d'admiration. Et les maillots blancs et noirs repartent à la satellier droit, Batiglia. Cet ailier droit au nom belliqueux qui n'a rien d'ailleurs de brésilien, on dirait un ailier droit britannique. Et c'est encore notre fontaine qui est de Bérard, qui essaye de passer les saisons entre ces deux joueurs. Excellent, une belle balle, shoot! Non! Il n'a pas osé shooter, il aurait pu blesser Gilmar, mais l'action était jolie. Et le retour en condition de Bliard est assez vraiment très sympathique. Bliard est athlétique, du mordant. Rien pour ce corner, nos amis brésiliens se dégagent, mais Jonquet, Royal, dégage, il dégage en direction de Vincent. Vincent n'était pas là malheureusement. Sur l'avant-centre brésilien, un très joli noir, il est physiquement un peu plus étoffé sans doute, un peu plus effet, mais il n'en a pas la classe. Et jusqu'à présent, parmi les joueurs du champ, comme disent les techniciens du football, nous n'avons pas trouvé un spécimen extraordinaire. Et encore une attaque rémoise. Bien, centre, mon vieux. Oh, personne à cage, personne. Place à manquer à Bérard, qui est évidemment intérieur de profession, si j'ose dire. C'était un peu trop rabattu sur le centre. Et les Rémois luttent toujours, 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 pour avoir... Non, à 6 minutes de jeu. Et c'est toujours le Stade de Reims qui marque par 1-0. But marqué à la 6e minute par Piantoni à la suite d'une belle attaque amorcée par Fontaine. Fontaine... véritablement à corps perdu dans la bagarre avec beaucoup de... Cet avançant brésilien, fort heureusement, il se fait boucler, ce n'est pas perdu, la balle... dribbling qui s'amorce, une petite passe, tout ça est très brésilien de style. Et les Rémois ont raison d'appuyer un peu, car il ne faut pas permettre au jeu brésilien... essayer de les contrer, on ne peut pas les battre en football pur, ils ont une morphologie tout à fait particulière, des rebonds, des inclinations qu'un footballeur européen ne peut pas, donc il faut essayer de les contrer en jouant ce football très 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 réaliste que je joue, et un peu trop réaliste en l'occurrence. Oh, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'arbitre. Ah si, il se reprend, effectivement, il y avait coup franc pour les Brésiliens, car le numéro 4 s'était fait un peu stopper d'une façon irrégulière. Bien tiré ce coup franc, mais M. Jonquet est toujours là, et encore un départ de Fontaine. Fontaine avec Piantoni s'embrouille un peu, non, il a quand même la balle. Allez, mon petit Piantoni ouvre sur Fontaine, redonne-lui la balle, ah. Un peu court, Piantoni. Les Brésiliens qui passent à leur garde, Yann Bu. Je serai toujours vraiment contre ces siffleurs, c'est stupide, ça fait partie de... Passe à un gardien de but, un arrière est gêné, passe à son gardien de but, quoi de plus normal. Ah, Bérard maintenant à la balle, oh, il s'en mêle un peu les jambes. Pour un, c'est en première mi-temps, il n'y a pas... Verne n'est pas et ses propres physiques, il l'a tout naturellement. Oh, dangereuse. Attention, ah non, les Rémois étaient bien groupés en défense, ça va, ils se sortent de cette mauvaise occasion, une
Gilmar est bien sorti. Bravo Gilmar. Bravo pour l'arrêt, le dégagement, tout ça est très bien. Théâtral. Oh, une faute. Charge. Un fauchage. Un peu intempestif. Coup franc. La balle est posée calmement par le Brésilien. Non, un peu trop loin pour tirer là, bien entendu. Avec ses longues jambes. Et là, l'arbitre est sans doute un peu sévère en sifflant un deuxième coup franc, car, ma foi, le Brésilien s'offrait en holocauste au défenseur rémois. Ça, non, je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Ce coup franc est un peu trop sévère. Il aurait dû permettre au jeu de se continuer, de se poursuivre tout à fait normalement. Eh bien, c'est un deuxième coup franc et c'est l'avançant qui va essayer de se faire justice. Il tire avec force, joli shot, et qui passe à côté. Et on siffle la décision de l'arbitre, Monsieur Lequen de Rouen, qui n'a pas été heureux dans cette décision, mais ma foi, ce n'est pas une raison pour lui faire ça. Et les Rémois maintenant repartent. Encore Fontaine qui essaye de passer, mais les Brésiliens sont vite. Ils jouent très bien l'interception. Vous savez que les Brésiliens n'aiment pas beaucoup les systèmes de marquage stricts. Ils se fient sur leur qualité athlétique et leur qualité de souplesse et ils adorent jouer l'interception. D'ailleurs, chez les Brésiliens, le football est avant tout offensif. On ne s'en aperçoit pas pour l'instant puisque c'est surtout Reims qui attaque. Mais enfin, il donne une contrepartie qui n'est pas désagréable du tout. Et encore une faute d'un Brésilien, mais le Rémois à la balle, c'est Vincent, on la lui laisse, il sent, il essaye de. Et c'est un corner, c'est la conclusion normale de ce match à deux. Voilà un coup franc, un corner qui va être tiré par notre ami Jean-Vincent, qui est l'ailier gauche de l'équipe de France. Il prend son élan, il tire. Bien, la balle a un peu défait. Pour qui? Pour Gilmar, qui a quand même basculé un peu. Bérard, mais les deux joueurs se serrent la main, il n'y avait pas de mauvaise intention de part et d'autre, c'est un vrai match. L'ailier gauche, il se fait contrer. Skatka qui se fait prendre cette fois un petit centre, non. Les défenseurs, toujours là. C'est le mois de Jonquet, ce n'est pas seulement le mois de Marie, le mois de mai, c'est aussi le mois de Jonquet car il nous sort une forme absolue. A maintenant la balle, Piantoni cherche un joueur de son camp qui soit démarqué et il se fait prendre. Non, le Piantoni vraiment n'est pas dans sa meilleure forme car ces sortes de passes il les réussissait quand il était en forme. C'est maintenant Vincent, allons Vincent, pas à changer et arrêter de jouer ce petit jeu de 2 cm, mais non, ça n'aboutit pas. Changer le jeu dans le centre et de jouer un football dans un mouchoir de poche, on se fait prendre la balle et c'est la contre-attaque. Non, nous n'aimons pas quand Reims commence à jouer, tomber dans ce péché. En première mi-temps, justement, Reims a été payé de ses efforts, de sa conception de jeu par pas très bon, car il y a des shooters chez les Brésiliens. Il va tirer, il tire, joli shot, et il a fait but. Très joli shot, on se précipite. L'appréhension n'était pas vaine. Deux ou trois shoots qu'il n'avait pas fait mouche, celui-là l'a fait. On siffle l'arbitre, je ne sais pas pourquoi, on a tort, il y avait faute, faut bien le dire. Et les deux équipes sont à égalité, 1-1, après 12 minutes, les deux équipes sont égalité. Après 15 minutes de jeu, donc de cette dernière demi-heure, va essayer par 1-0 après 6 minutes de but de jeu et maintenant mené. Et voilà.
Je me demande pourquoi il n'y avait pas de méchanceté de part et d'autre. Ils sont inutilement houleux et qui arrivent à exciter d'une mauvaise façon les combattants qui, eux, ne cherchent qu'à faire un match tranquille et plaire à ce public en étalant un art qui est incontestable. Espérons que tout rentrera dans l'ordre, car je vous le répète, ce coup franc était tout à fait plausible et le shoot de l'avancement brésilien était merveilleux de force et de précision. Allons, Reims. Une charge, elle n'est pas sifflée, là l'arbitre attend. Car lorsqu'on passe des fautes aussi véniales, c'est ainsi qu'on a des incidents sur le terrain. Il y avait une poussée qui aurait pu être sifflée, car il vaut mieux en matière d'arbitrage prévenir que guérir. Un joli arrêt courageux, téméraire, presque dirais-je, de Jacquet. De Jacquet et le tenus de la partie monde, voilà. Nous sommes un peu comme à la corrida maintenant au match de football. Ce sont les spectateurs qui ont trop d'importance, qui exagèrent l'ambiance et de tous les côtés. On se met à crier contre ce pauvre arbitre, monsieur Lequel. Je ne participerai pas à la curée. Pourquoi siffler l'arbitre? Il a donné un coup franc qui était tout à fait valable. Évidemment, c'est très malheureux que ce but ait amené le but, que ce coup franc ait amené le but, mais on ne peut pas préjuger de la justice et de savoir ce qui en sortira. Une faute encore, une faute que l'arbitre cette fois a comme l'acteur principal. Il y a quand même d'autres choses à regarder dans ce match qui jusqu'à présent pas de la très grande musique. Allons! Et voilà, une charge. L'arbitre indique pénalty pour un fauchage. Ce pénalty est sévère. Ce pénalty est très sévère. Nous en commençons maintenant la pire des choses en matière d'arbitrage, l'arbitrage compensation. L'arbitrage compensation. C'est pénalty. Vous avez vu comme moi l'action, l'arrêt a peut-être été sec, mais on ne doit donner pénalty que lorsque véritablement le but est en danger. Quand véritablement le but va être marqué. Or, en l'occurrence, l'action était nette et simple, et ce pénalty est tiré par Fontaine, qui bat ainsi Gilmar. Nous en sommes à 18 minutes de jeu, et Reims mène par 2-1. Eh bien, il est temps que les esprits s'échauffent moins et que surtout ces spectateurs en essayant de se donner des émotions supplémentaires. Donc, pour le Stade de Reims contre les Corinthians de São Paulo, et comme l'année dernière à Stockholm, Fontaine aura marqué un but à Gilmar, qui passe actuellement pour être le meilleur gardien de but du monde. Un coup franc, 4-4 en profondeur, non, interception. Allons, rejouer tranquillement, belle ouverture, interception, belle interception, mais les Brésiliens sont aussi forts à ce petit jeu et monsieur Jonquet va retrouver tout tranquillement sa place au centre du terrain. Voilà une faute incontestable, mais le joueur brésilien avait la balle, il lui mieux peut-être fallu la lui laisser. Donc c'est ce coup franc en sens inverse. On commence vraiment. Commence à être inconséquent, incohérent. Un joli centre là, mais non, un centre, oui, centre, mais non, c'est fini, tu es beaucoup. Allez, tire, change de jeu, non, c'est fini, plus personne pour prendre cette balle, et voilà, assez de petits jeux, Amir et moi, jouez large comme vous avez joué en première mi-temps, car si vous jouez ce petit jeu contre les défenses athlétiques comme celle du Real Madrid, vous ne passerez pas souvent. Voilà, tout le monde recule, non. Notre ami Rodzik est là qui passe à Jacquet. Et on ne siffle pas, remarquez. On siffle que lorsque les Brésiliens passent à la gardienne. Ce chauviniste est exaspérant. Allons,
Les Brésiliens repartent à l'attaque. Maintenant, c'est l'ailier gauche qui essaye de déborder. Il passe au centre. Allô? Non, sorti. Eh bien, un peu de calme ne nous fera pas de mal. Nous avons eu la 10 minutes. Maintenant, à un stade houleux, inutilement houleux. Car jusqu'à présent, le match était très correct. Il y a de la part des deux battants, c'est pas des supporters. Les deux équipes ont essayé de nous donner un bon match de football et ils parviennent souvent. Voilà Fontaine qui perce mais qui oublie sa balle. Dommage, il continue quand même. Allons, Talon, chute tout de suite. Stade de Reims, quand il shoot et non pas quand il tergue. Balle, à toi Fontaine, à toi Vincent, à toi Billard. Non, nous aimons. Quand le stade de Reims joue un jeu large, il peut se le permettre. La petite passe est admissible de temps en temps, mais on ne marque pas beaucoup de buts à ce jeu-là. Ce qui se fait soigner sur la touche, c'est Billard, il a l'air d'avoir eu... Bon, ce n'est rien, il est là sur le bord de la touche, il se frotte les mains. Un simple petit choc, non, c'est rien. Monsieur Bérard, vous étiez en jeu, monsieur Bérard. Bon, et bien voilà que déboulent les Brésiliens. Brésiliens qui combat encore, une petite charge. Non, c'était le méchant Piantoni qui a fait ça. Non, la balle est pour Siatka. Allez, Siatka, un beau dribbling, très bien. Ensemble en profondeur, personne. Il a manqué un tout petit peu de vitesse. Il n'a même pas gagné de corner. Pas de chance. Il y a des jours on n'est pas en forme, il y a des jours on ne gagne pas le corner. Et toujours Siatka, centre mon vieux Siatka, change le jeu. Très bien, mais Gilmar était là. Il en faut un peu plus pour battre Gilmar. Gilmar, comme vous le savez, était le gardien de but de l'équipe du Brésil pendant la Coupe du Monde. Et il a en demi-finale contre la France. Un but d'ailleurs extraordinaire, marqué par Fontaine. Sur passe de Coppa. Un but qui était tellement beau qu'un journaliste italien qui était à mes côtés me disait « Monsieur, c'est beau comme une fresque de Michel-Ange. » J'ai trouvé l'expression très jolie et effectivement, c'était un très très joli. Mais il en faut quand même un peu plus pour battre Gilmar, qui est le gardien de but de l'équipe du Brésil et qui a été encore merveilleux contre l'équipe d'Angleterre. Il y a Rio de Janeiro. Jacquet maintenant à la balle, Jacquet qui vient de Bordeaux qui est un pays de gardien de but, puisque Bernard, le gardien de but de Sedan est de Bordeaux, et Vinave, le gardien de but qui a gagné la coupe de Bordeaux également. Eh bien, allons Piantoni, allons, Bérard, ah, il y a une faute contre Fontaine, faute d'obstruction, c'est Bérard qui va donner... qui n'a que 18 ans et demi et qui est incontestablement un espoir. Allez, vite cette balle, en centre en retrait, bien donné. Personne. Oh, qu'est-ce qu'il a raté. Beau shot de Siatka, plein de décisions, mais Fontaine l'a raté quelque chose. Alors, il était tout seul. Je pense pas que ce terrain, d'ailleurs, du Parc des Princes, favorise les shooters. Beaucoup de joueurs s'en sont ouverts à moi. Et d'ailleurs, notre ami Vermelinger, qui est directeur du Parc des Princes, va faire changer sa pelouse. Se seront déroulés sur cette part du Parc des Princes. En effet, les joueurs ne trouvent pas un appui pour shooter. Et remarquez, regardez un shooter en action, il a du mal à trouver son équilibre sur cette pelouse du Parc des Princes qui est un peu trop friable. Bien, maintenant, c'est... Allons, le jeu est un peu touffu en ce moment, ça fait mauvais sous ballon. Ah, Bérard, qu'as-tu fait là, Bérard? T'oublies la balle, t'oublies tout. Allez, Billard maintenant, mais pas Loche. Vous voyez, je vous le disais, je n'ai pas voulu acheter un sort, mais un shooter comme Billard n'a pas pu taper proprement dans cette balle. Eh bien, le public a l'air content, vous voyez, ravi, nous avions de l'académie. En première mi-temps, cette académie ce n'avait pas l'air de lui plaire tellement, tandis que maintenant, on sent que les deux équipes cherchent le résultat, il y a beaucoup plus d'animation, le public vibre davantage.
le match, évidemment, nous voyons beaucoup moins de bonnes choses qu'en première mi-temps. Oh, tentative de Pugila. Non, c'est fini. Et qui se bat? Qui se bat, mon Dieu? Piantini, mais nous aurons tout vu. Piantini, c'est vraiment la première fois que je vois notre ami Roger lever le poing sur un terrain de football. Ce sont aussi ça les conséquences de la mauvaise forme physique. On encaisse beaucoup moins. Et toujours ce terrible avançante là qui tricote, qui passe. Non, Rodzik était là. Rodzik était là, il passe la balle. Non, une balle perdue. Il faut que Piantini occupe un peu mieux le terrain, car cette balle lui était destinée. L'ailier gauche est démarqué, tout à fait démarqué. Il va centrer, oui, au centre très bien. Oh, quel magnifique but! Quel magnifique but! Parfaitement mérité. Cette reprise était sensationnelle. Car l'ailier droit Battiglia surgit, on ne sait d'où, et le centre était impeccable. Eh bien, nous en sommes à quelle minute exactement? Nous en sommes à la 28e minute. 28e minute de jeu et les deux équipes sont à égalité 2-2. Ce qui est d'ailleurs assez conforme à la physionomie de la partie, car on ne peut pas dire qu'un des deux adversaires est dominé manifestement. Et envers cette situation, qui était très, très agréable, deux jeux assez différents, tout en se ressemblant assez, ce qui peut paraître paradoxal. Et ma foi, ce score est assez équitable. Deux buts n'ont pas été très beaux. C'est le but marqué par coup franc, quoique le tir soit parfaitement valable. Le but marqué par coup franc par le joueur brésilien. Et puis un pénalty, ce qui n'est jamais très joli, très spectaculaire. Mais les deux autres buts, par exemple, sont très très beaux. Le premier but marqué par Piantini à la 6e minute à la suite d'une combinaison entre Fontaine et Vincent était très classique, très joli. Tandis que ce deuxième but, ce but égalisateur des Brésiliens, ne souffre pas de critiques. C'était pur, pur comme de l'eau. Et maintenant, nous en sommes à 2-1. Il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu. On sent un peu plus de nervosité. Encore un coup franc. Encore coup franc cette fois. Indiscutable, juste au milieu du terrain. Pour les Brésiliens, évidemment, c'est un bon résultat. Si ils commençaient leur tournée en Europe avec un match nul contre une... C'est un résultat qui est valable. Qui, je vous le répète, n'appartient pas malgré tout à la fine fleur du football brésilien. C'est une très très bonne équipe de São Paulo, mais les meilleures équipes au Brésil sont actuellement à Rio de Janeiro. C'est Vasco de Gama, que nous allons d'ailleurs voir au tournoi du Racing. C'est Botafogo, c'est Fluminense. Effectivement, on a... toujours la même cadence. On préférerait des alternances de jeu, ce qui rendrait beaucoup plus spectaculaire. J'ai même... prise, allons la balle. Il est... Preston n'a rien donné du tout. Rien donné du tout. Il a fait rire, ce qui est déjà quelque chose. C'est toujours bon à prendre. Quelques secondes de passe aujourd'hui. À propos de tout.
ne méritait pas une telle passion, mais c'est peut-être l'habitude maintenant des Nocturnes du Parc des Princes, où la passion a dominé dans les deux matchs de Coupe d'Europe. Mais nous n'avons pas tous les jours des matchs de Coupe d'Europe, heureusement, parce que nos nerfs n'y tiendraient pas. De temps en temps, un petit match, un petit festival de football gentil, sans prétention, comme celui de ce soir, eh bien, c'est pas mal non plus. Allons, très bien, Leblond. Leblond qui donne bien sa balle, car Leblond aime bien le travail, bien. Pas trop loin, passe la balle maintenant à Vincent qui est là, qui s'y est passé du poste d'ailier gauche au poste d'ailier droit. Donne ta balle Vincent. Shoot, très joli, du bon bien tenu, un très joli retourné. Un but comme ce troisième but qu'il avait marqué contre les Young Boys. Et ça vraiment, s'il était... Ce n'est pas la classe qui manque à Roger Piantoni, seulement c'est sa condition physique qui nous fait faire quelques réserves sur son efficacité. On n'est pas mal du tout, ça équivaut vraiment à une passe. Encore, il relance ses camarades, M. Gilmar. Allons, attention les Rémois, vous avez l'air de subir le jeu de vos adversaires en ce moment. Ne vous laissez pas endormir par ce jeu de Brésilien et très dangereux. Qu'est-ce qu'il a raté là, mon ami Piantoni? Car il avait perdu le contrôle de la balle. Eh bien, nous en sommes à 32 minutes. 32 minutes de jeu. Et le score est toujours 2 à 2. 2 à 2. Ce corner. Un tiré, Ara, oh là là, personne pour reprendre cette balle. Pas mal tiré, la balle avait de l'effet. Ce sont ces balles vicieuses qui trompent les meilleurs gardiens de but. Mais Gilmar n'est pas un enfant. Allons, voilà une attaque brésilienne qui se déroule. Ça va partir à l'ailier droit. Non, il essaye de continuer tout seul son action et il pousse. La poussée était en trop. Allons, laissons, donnons la balle tout de suite à M. Jacquet. Cette poussée était entre les deux adversaires, se serrent la main, c'est très bien ainsi. Et c'est Jacques. Cette balle qui n'est déjà plus très blanche. Dégage, beau dégagement, la tête. Allez, cours, cours, cours. Cours, petite faute, non, du Brésilien. Non, ah, rien. Eh bien, les deux adversaires, je crois, se contenteraient de ce résultat de 2 à 2. Je crois qu'il si on, il pouvait signer maintenant. Je répète, ce score de 2 à 2 est tout à fait logique. Les deux équipes ont fait de bonnes choses. Je ne pense pas que Reims soit livré à fond ce soir. Il a fait, comme diraient les cyclistes, un match à sa main. Et il a bien fait, car Reims joue encore samedi quand même un match de championnat. Tort de compromettre quoi que ce soit avant le grand match de sa saison, ce match du 3 juin à Stuttgart dont tout le monde parle déjà. Allez Bérard, montre-nous que tu peux rivaliser avec Lamartine. Jolie passe, passe à, il part bien dans le trou, il était bien parti, c'est Leblond qui a la balle. Démarque-toi mon petit Bérard, démarque-toi, si tu restes là tu n'auras pas la balle. Ah voilà, et passe et presse, mais enfin en ballon pur, les Brésiliens lui sont. Une faute, on ne joue pas avec les bras, parfaitement. Personne proteste, très bien. Allons, on redonne le coup franc. Ah, monsieur Lequen est pour le reste. Allez, Skatka, Skatka. Tire-moi cette balle en profondeur. Non, ça va recommencer le petit jeu. Allons, non, allons. La balle au pied, il va se faire. Mais oui, on se fait prendre, on va pas loin contre des joueurs qui ont un contrôle de balle comme les Brésiliens. Ces charges de la cavalerie légère ne risquent de ne pas aller très loin. Allez, centre, centre en retrait, non. Ah, très joli. Hors jeu, par jeu, si. Hors jeu. Allons, dégagez-moi cette balle. On n'a pas vu beaucoup les avant-rémois et Fontaine s'est un peu émoussé
en deuxième mi-temps. Mais sa première a quand même rassuré sur son état physique, sur son rush, sur son punch actuel. Et puis, je reviens sur ce match du 3 juin parce qu'il compte. Fontaine tient à ne pas le rater parce que l'entraîneur du Real Madrid, eh bien, c'est Carniglia qui était son entraîneur quand il était niçois. Et Carniglia l'a fait fréquemment jouer en réserve. Et ça, Fontaine ne l'a pas encore digéré. Voilà, la vengeance est un plat qui se mange froid. Fontaine pourra s'acquitter de sa dette le 3 juin. Allez, allez Fontaine, montre-nous que tu sais encore percer une ligne. Allons, allons. Et la balle n'est pas perdue. Non, elle n'est pas perdue. Allons Vincent, contrôle-moi cette balle, un beau centre en retrait. Très joli, mais personne, personne. Très joli mouvement, très simple. Du beau football, large. Ça est direct. Quel dégagement, ce... Quel dégagement il a, ce Gilbert. Vraiment, c'est un gardien de but qui soulage sa défense quand il dégage. Et toujours le petit jeu monotone, une feinte, et il a réussi à feinter que son partenaire. Allez, Bérard. Ah, Bérard, encore aux prises. Ah, il est un peu tendre, Bérard. Un peu tendre. Et l'ailier gauche centre. Il centre bien, cet ailier gauche. Très dangereux. Jonquet, très bien. La balle revient dans ce camp. Benoît, non. C'est quand même la meilleure technique d'ensemble des Brésiliens, commence à se faire sentir. Et puis, sans doute, les Rémois pensent-ils à leur match de championnat de samedi. Ils ne vont pas, évidemment, courir leur derby aujourd'hui contre les Corinthians. Ils nous ont assuré un honnête spectacle. Nous ne nous plaignons pas. Un honnête spectacle. On a pu surtout juger et de leur forme présente, cette forme physique et presque morale de certains éléments a été très agréable. Il a été très agréable de la retrouver. Oui, ça c'était une faute. Très jolie faute. Un coup franc. Allons. Il nous reste plus que 10 minutes de jeu. Et les deux équipes sont toujours à égalité. 2-2. Allons. Ah, pas assez fort. Mal tiré ce coup franc. Oh, encore une faute. Alors, qui tire? Tire, une belle angle de tir. Ah, il a certainement bien fait de mettre cette balle en sortie. Car c'était une balle qui était dangereuse, qui partait drôlement. Pas une balle franche. Puis un mauvais rebond, on ne sait jamais. En retrait, centre tout de suite. Centre. Pour l'amour de Dieu, centre. Non, il n'a pas voulu centre. Et cette balle est perdue. Et c'est une balle perdue. Oh, un pied en l'air, là. Juste à la limite. Allons, les Rémois, retrouvez-vous un peu. Là, vous êtes un peu dominé en organisation du jeu. Puis le jeu n'est pas très net, pas très joli. Ah, très joli changement de jeu. Oh, mais il court. Cette... Oh là là, cette avançante, là, qui est dotée d'ailleurs d'un shoot remarquable, puisqu'il a... sur un angle difficile, tiré. Jacquet n'a pas bougé, il a raison. Et voilà notre ami Rodzi qui déboule. Allons, la contre-attaque, Vincent. Voilà maintenant l'ailier droit qui redonne la balle. L'ailier droit redonne la balle. Un dégagement. Mais pas très joli. Ou bien on aura été moins gâté dans cette deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Cette deuxième mi-temps a été souvent confuse, une âpreté, un simili d'âpreté qui n'a rien arrangé. Nous aurions préféré le rythme tranquillement, un jeu plaisant, agréable, pas de la grande musique, je vous le concède. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu les brillants jongleurs brésiliens, mais les pelés ne courent pas les rues, soyez-en persuadés. Au Brésil, et d'ailleurs, le prix qu'en offre le Real Madrid, 150 millions de francs, doit vous le prouver. 150 millions de francs pour un footballeur de 18 ans qui fait actuellement son service militaire dans une garnison
de Santos. Grandeur et servitude militaire. Bien, mon petit Bérard. C'était pas mal ce joli centre. C'était au moins appuyé, c'était viril du football direct. Oui, nous n'avons pas vu l'équivalent de Didi, de Pelé, de Julinho. Ces grandes vedettes brésiliennes que la télévision vous a fait admirer en juin dernier au moment de la Coupe du Monde et qui sont vraiment de super vedettes du football, tant par leur style qu'aussi par leur élégance. Cette élégance de jeu qui fait penser souvent à un véritable ballet. Nous n'avons rien eu de comparable ce soir. Ce qui nous a rassurés, ce qui nous fera tout notre potage, si je dois m'exprimer ainsi, c'est la bonne condition physique et les bonnes dispositions de notre stade de Reims. Très joli centre, la balle, shoot! Oh, qu'est-ce qu'il rate? Oui! Qui récompense notre ami Anthony, toujours là quand il s'agit de marquer. Les méchantes langues lui diront Inaxa a marqué des buts, mais c'est quand même pas mal. Et il nous reste 8. Stade de Reims maintenant mène par 3-2. Et sur sa carte de visite, une victoire sur les Corinthians de Sao Paulo ne fera pas mal. Les Brésiliens. Que se passe-t-il? Ah, enfin! Ils sont là, donc je vous répète, alors qu'il reste 8 minutes de jeu, le stade de Reims mène par 3-2. C'était Reims qui avait ouvert le score. Sampol avait égalisé sur un coup franc transformé magistralement. Reims avait repris l'avantage sur un pénalty transformé par Fontaine. Puis l'allié droit de Sampol avait égalisé en reprenant de volée un centre de l'ailier gauche de Brésilien. Et enfin, à 8 minutes de la fin, à la suite d'une attaque, d'un rush, disons plus exactement, des avants de Reims, Piantoni a marqué ce troisième but, comme il avait marqué le troisième but contre les Young Boys de Berne. Piantoni, qui fut en tête des marqueurs de but du championnat de France quand il portait les couleurs du football club de Nancy, à conserver ce sens de l'efficacité. Et Piantoni, qui est un joueur de grande classe, de très grande classe, certains disaient qu'il avait la classe d'un Copa, et peut-être n'ont-ils pas tort, mais fragile, qui n'a pu encore cette saison nous sortir un feu d'artifice comparable à ce match qu'il avait joué il y a 2 ans contre l'URSS, un match au cours duquel il avait été éblouissant, où il avait joué comme un des grands, grands intérieurs du monde, je le dis bien fort, vraiment. Eh bien, c'est ce Piantoni que j'espère nous retrouverons un jour. Plus que 6 minutes de jeu, les Rémois maintenant qui ont un but d'avance jouent plus détendu. On cherche beaucoup plus en profondeur et Skiatka s'en donne à cœur joie. Bien Skiatka, tu vas tirer, oui. Eh, beau shoot. Skiatka était bien à 30 mètres, vous voyez. Battre à 30 mètres le meilleur gardien de but du monde. Monsieur Skiatka ne doute de rien, mais je dois avouer qu'il a un très très joli shoot, il était bien placé. Et puis enfin, il avait un angle de tir. Je préfère un joueur qui tire quand il a un angle, un joueur qui tergiverse, qui passe, qui ne sait pas à qui, qui s'enferme. Non, Skiatka a très bien fait. Pour grand que soient les grands gardiens de but, sont ce que sont les hommes, ils peuvent se tromper aussi. On a déjà vu des plus grands gardiens de but prendre des buts moins glorieux. Et attention, c'est pas le moment, Jacquet, d'en prendre un, il faut conserver le résultat. Ce 3-2 va être un encouragement pour les Rémois. Il est hors jeu, non ? Parti à la limite du hors-jeu, non? Eh bien, puisqu'il n'est pas hors-jeu, allons-y. Allons-y, ah, non. Allez, 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 mon petit Bérard, passe à Fontaine. Ah, Fontaine n'a pas vu, c'était trop rabattu sur le centre du terrain. Trop rabattu sur le centre, allez, Gilmar, un très joli dégagement.
C'est le blond. Brésilien. Ah, ils ont l'air aussi un peu fatigués quand même. Là, il y a quand même un phénomène d'adaptation qui doit jouer. Ah, non, maintenant, la situation, mais il ne reste que 5 minutes à jouer. Bataglia déborde, essaye de déborder. Allons, personne pour l'aider, personne pour. Phil donne cette balle. Ne la garde pas, donne-la au centre. Remets-lui gentiment, bien joué. Maintenant contrôle cette balle et centre, un beau centre large. Très bien joué, voilà du bon jeu. Belle reprise de la tête de Bérard. C'était, tout ça était très bien joué, très net. Maintenant ce sont les vrais. Faut la garder cette balle maintenant, Amir et moi. Allez. Bien donné, Bliard. Non, il ne faut pas shooter là, puis Anthony, il ne faut pas exagérer quand même. Il faut la tenir, il faut la garder. Quand on mène par un but à 3 minutes de la fin, il faut la garder là-bas. Allons. Eh bien, attaquez-le si vous la. Non. Le danger maintenant est écarté, mais Béra a toujours tendance à être loin de sa touche. Ce n'est pas de sa faute. Vous le savez, je vous l'ai dit. C'est surtout un. Et le jeu d'ailier. C'est maintenant 3 minutes à jouer. 3 minutes, attention. 3 minutes, même pas, je crois. Est-ce qu'il y a un joueur? Oui, un Brésilien qui est à terre. C'est l'avancante qui a marqué. Sur coup franc directement, comme l'aurait fait Hilton. Hilton, cet ancien footballeur. Français. Eh bien, le shot, remarquez, le shot était différent. Le Vincent brésilien a shooté en force alors que Hilt mettait des balles à effet, des balles placées là. Le Brésilien a vraiment shooté en force. On le sort du terrain. Eh bien, personne. Les Brésiliens vont terminer ce match. Plaçant, il est vrai qu'il reste 2 minutes à jouer. Et c'est. Ici, le Parc des Princes, Jean Eskenazi nous a transmis le match Reims sur des images de Pierre Sabag.